tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reprends pour parler d'un sujet qui fâche. Pour l'instant, j'ai le sourire, hein, mais ça pourrait changer. Le sujet qui fâche, c'est mon poids. Parce que ça fait des années maintenant que je vis avec un corps qui n'est pas le mien. Un corps auquel je dois m'adapter, mais auquel j'ai beaucoup de mal à m'adapter. J'ai plusieurs fois essayé de faire des régimes, au final ça s'est jamais vraiment montré très concluant. J'avais même plutôt tendance à prendre du poids quand j'essayais de faire régime, donc c'est assez contradictoire, mais malheureusement c'est comme ça. Mon endocrinologue m'avait dit que ça pouvait être la thyroïde en fait qui m'empêchait de perdre du poids. Bon, il semblerait que ce soit pas le cas puisque depuis 3 semaines maintenant, j'ai commencé un programme de rééquilibrage alimentaire. J'ai téléchargé sur mon téléphone l'application LifeSum, pour laquelle j'ai même pris un abonnement. Et donc juste sur un mois pour payer, juste sur un mois pour tester. Et ben j'en suis très contente parce que je trouve qu'elle est hyper facile à utiliser. Pareil que dans moi, j'avais utilisé MyFitnessPal au préalable et le secret du poids, j'ai pas du tout accroché à cette appli, j'arrive pas. Déjà juste l'esthétique de l'écran, j'aime pas. Et j'ai un peu l'impression de jouer à la DS quoi. Enfin c'est j'aime pas du tout. Du coup, j'avais pris moi plutôt MyFitnessPal et finalement je préfère LifeSum. Donc je suis très contente d'avoir pris un abonnement LifeSum. J'ai pris un mois pour tester. Finalement, j'apprécie plutôt bien. Donc est-ce que je vais renouveler, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait déjà 3 semaines que je l'utilise et je suis très contente parce que, comme je le disais, jusque-là, j'avais jamais réussi à perdre du poids. Et là, depuis 3 semaines, je suis passée de 74,3 kg à 70,5 kg. Voilà, donc je suis très contente. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup pour 3 semaines, c'est vrai, hein, c'est pas non plus énorme, mais en tout cas, ben, ça me fait plaisir. Et donc du coup, depuis que j'ai commencé ce programme, je vois mon poids qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. C'est petit à petit, hein, c'est 200 grammes par 200 grammes par 300 grammes. C'est petit, mais je le vois sur la balance et donc ça me fait plaisir. Et il s'avère que la semaine dernière, j'ai eu une proposition de la marque Anaka 3 de collaboration pour proposer, ce produit. Donc, ce qui sont les shots à base d'artichaut. On a déjà vu ce produit passer dans les publicités à la télé. Je m'étais déjà dit plusieurs fois que j'allais essayer puisque j'avais déjà testé les gélules Anaka 3+. Mais j'avais fait ça un peu n'importe comment puisque en fait je prenais les gélules mais je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais à côté, je ne faisais absolument pas de sport. Donc ça ne pouvait pas être productif, on est bien d'accord. Aujourd'hui je fais un petit peu de sport. Je fais un petit peu de vélo elliptique, mais je suis pas encore assez rigoureuse pour le faire rentrer dans mon programme de réinsertion. Pour l'instant j'essaye de reprendre du souffle déjà parce que j'avoue que quand je monte dessus, je tiens pas très longtemps pour l'instant, donc bon, je prends pas ça comme participant à ma perte de poids puisque pour l'instant, je pense que mes efforts à ce niveau-là sont inefficaces. En revanche, je me dis que combiner ce programme-là avec mon rééquilibrage alimentaire, c'est une super option. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir faire cette collaboration. Évidemment, je vous ferai une vidéo de bilan à la fin. Puisque là, j'ai commencé hier, donc j'ai pris mon premier shot hier et bon, je vais être honnête avec vous, le goût n'est pas très très bon. Après, c'est pas dégoûtant non plus, hein, qu'on se le dise. Il y a certainement des personnes qui aiment ce goût-là. Il faut savoir que de base, c'est à base d'artichaut, de cola, de guarana, de thé vert, de chicorée, de zinc et de chrome. Et en temps normal, je ne consomme pas de thé vert. Donc là, je fais une exception pour ce programme, mais je consomme pas de thé, en fait, tout simplement parce que c'est mauvais pour la santé. Et donc là, je vais faire une exception parce que j'avais vraiment envie de tester ces produits-là. Donc, j'espère que ce programme plus mon rééquilibrage alimentaire va donner des vrais résultats. Donc là, ce programme-là, c'est pour 14 jours. Donc le programme, je l'ai commencé hier. Donc 14 jours, ça nous mène jusqu'au 24 décembre. Donc ce sera pile le jour de Noël. Et donc, je vous ferai une vidéo bilan entre Noël et le jour de l'an. Puisque du coup, j'arrêterai de toute façon le programme juste avant les fêtes. Donc ça va me permettre
ne pas devoir peser mes aliments de Noël. Parce que clairement, ça m'aurait embêté en fait de me lancer dans ce programme et puis finalement pendant les fêtes de ne pas faire attention et que du coup j'aurais pas eu le réel niveau d'efficacité du produit. Donc là au moins j'arrête avant, donc même si je fais un écart à Noël, je rattraperai en janvier, mais j'interromprai pas ce programme et donc je n'en fausserai pas les résultats. Donc là j'arrêterai le 24 et donc du coup entre le 24 et le 31 dans la semaine qui sera entre ces deux dates là, je vous posterai une vidéo pour vous donner mes résultats. Voilà, donc il faut savoir que pour commencer ce programme, j'ai quand même pris toutes mes mensurations parce que je voulais faire la différence en fait avec l'après, enfin avec l'avant plutôt. Quand je ferai à la fin, je ferai la différence avec ce que j'ai du coup mesuré hier. Donc il faut savoir que en tour de bras, j'étais à 31 cm. En poitrine, je suis à 105 cm. En tour de taille, 88. Tour de hanche, 110. Et tour de cuisse, 57. Donc ça, ce sont mes mensurations de départ. Donc on verra au terme des 14 jours si j'ai perdu aussi en centimètres. Je pars donc de base de je suis partie de base de 74,3 kg. Au bout de 3 semaines, j'étais à 70,5 kg. Donc là, je démarre ce programme Anaka 3 à 70,5 kg. Donc, dans un peu plus de 14 jours, je vous dirai ce qu'il en est. Mais déjà, je vais vous présenter un petit peu ce produit quand même, puisque bah, c'est important que on sache comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir que ce programme, c'est juste un shot par jour. Donc en fait, un shot, c'est une dose. Je vais vous montrer la taille de la dose. J'avais peur parce que je me suis dit, waouh, c'est une grosse dose. En fait, non, quand on met dans le verre, il y a quasiment rien. Ça représente même pas une dose de pastis dans un verre d'eau, enfin noyé dans l'eau, je veux dire. Donc voilà, si vous mettez le flacon à côté de mon visage, voilà, ça donne la taille du flacon. Par contre, vraiment en termes de contenu, alors je saurais pas dire si il est plein quand même, puisque le niveau il arrive vraiment à un demi centimètre du bouchon. Mais quand on le vide dans le verre, en fait, parce que moi je le bois pas comme ça, je l'ai mis dans un verre et en fait quand on le met dans le verre, franchement ça représente ça dans le verre, c'est vraiment très très peu. Donc ça se boit assez facilement. Je l'ai bu cul sec, hein. Le goût n'était effectivement pas très bon, mais je me dis, on m'a toujours dit qu'il faut souffrir pour être belle. Bah, c'est l'occasion de le prouver. Et pour le coup, je trouve que ça se boit quand même. Hein. C'est pas répugnant, c'est pas vomitif. Enfin, non, faut arrêter. Ça se boit, clairement, ça se boit. Donc, il y a un petit goût, par contre, qui reste en bouche à la fin, qui est un peu piquant. Mais du coup, on boit un verre d'eau derrière et ça passe tout seul. Donc non, moi, je le prends vraiment pas à contre-cœur. Et je suis très contente parce que du coup, quand j'ai regardé les bienfaits, en fait, l'artichaut favorise la perte de poids. Le cola aide à brûler les graisses et aide à favoriser l'amincissement. Le guarana contribue au métabolisme des graisses et aide à contrôler le poids. Et enfin, le thé vert contribue à l'oxydation des graisses. Donc vraiment, il y a quand même des principes actifs qui sont quand même top, je trouve. Donc, je ne comprendrais pas que ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Donc, bah, je vous donne rendez-vous après Noël. Et puis, on fera un petit point là-dessus. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir ce résultat parce que vraiment, bah, j'ai hâte de perdre du poids, tout simplement. Et je sais pas pourquoi, hein, mais de base, je suis convaincue que ça va fonctionner. Donc, je mets toutes les chances de mon côté, je le fais correctement, je garde mon régime équilibré à côté. Et alors quand je dis régime équilibré, c'est simplement un comptage de calories, hein, qu'on soit clair. Ce midi, par exemple, j'ai mangé des crêpes au sucre, mais j'ai comptabilisé ça dans mon menu et je mange. Alors du coup, je ne vais pas prendre de goûter. Et surtout, bon après, par contre, si je prends pas de goûter, ça va me laisser un gros comptage de calories pour ce soir, mais. Je pense qu'au goûter, je vais juste prendre une pomme en fait que j'ajouterai donc dans mon compteur de calories. Et puis ça va me déduire un petit peu, mais une pomme c'est pas grand chose, donc ça veut dire que ça me laissera quand même pour ce soir une bonne marge. Donc puisque ce matin en fait j'ai juste pris un café,
Donc déjà, ça n'enlevait pas beaucoup de calories. Donc c'est vraiment le repas de ce midi qui a été chargé. Mais si je prends juste une pomme au goûter et que ce soir, je fais un repas à peu près équilibré, c'est vrai que ce qu'on va manger ce soir, c'est un petit peu gras. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner sur la balance dans 14 jours. Voilà. Donc, bah sur ce, on va se retrouver après Noël. Donc, je vais vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en cette fin d'année 2019. Je vous souhaite en tout cas un joyeux Noël puisqu'on va se retrouver avant la nouvelle année. Mais moi, je me réjouis de ces fêtes qui approchent et j'espère que c'est pareil pour vous. Donc, vraiment, profitez-en à fond en famille. Faites attention à votre poids quand même un petit peu pendant les fêtes, mais faites-vous plaisir quand même, c'est important. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour un nouveau vlog et puis à dans 15 jours pour cette nouvelle vidéo.